Voilà. Complot ezali total avant de kobalani. Tu es ça qui bino que Bakabira na Bakatumbi bazali kokukate sur le plan politique. Et bango bazali fort sur le plan yaguer. Parce que ndenge bazali wana bazali na maîtrise na makambo eteli kozala ba seigneur de guerre. Peuple congolais, nous allons essayer de mingi à côté nabino, tongo ya lelo, pourquoi lelo pour que tout partager nabino, mais oh yonyon sto ezali pour le kanamboka nabiso République démocratique du Congo. Nabi ke lelo, toko mekepe aux ala plus bref, pour partager nabino des sujets à l'ordre du jour. Ya liboso bokoyeba. Après branche. Il y a Alliance Fleuve Congo qui a été soutenue par M. Joseph Kabila et parrainée par William Ruto du Kenya. Et le loyo tomoni pe Frank Jong nakati ya Rwanda, tête à tête avec M. Paul Kagame. Qu'est-ce qui se passe? Bandeko balade. Je pense que Tokomeka MP, Okota Nabino en détail. Mes chers amis, mes chers compatriotes, parce que ba ennemi bazali toujours ko continuer ko sala likopa na bango ya ko balkaniser la République démocratique du Congo. Yami Bade, une révélation accablante contre M. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Après les dossiers du général Luboyanga Chama. Parce que le général Luboyanga Chama n'est pas wana, azali toujours déterminé. Ya ki azali na ba pref nyon soutou basama na ba troyo bazali ko armé rébellion ya Zaïre. Et le lot moni pe dossier moussousou e bimi. Dossier wana, ya 13 députés au bazali à l'excédent au sein de l'Assemblée nationale. Je n'ai ni oyo kamer abandaki ko jouer na kati assemblée nationale. Alors, nasali ko senga bino bande ko balani. Bo ki ne ba monter et boza la paix précédée parce que lilo oyo ba vérité zo bima awo. Nous avons des M23 au sein ya assemblée nationale. Tous ay na ba M23 au sein ya ba parti politique. Et le lo oyo, c'est osé de tout le monde, pour moi, maintenant, infiltration directe au sein de l'Assemblée nationale. Alors, bon aimer notre émission, vous partagez, vous pouvez vous commenter, vous pouvez vous abonner sur Kissal RDC Télévision. Oyabino, mon nom est Olivier. Alors, je pense que Bandeko, vous pouvez vous abonner à M. Frank Jong de Belgique au Rwanda. Et le colline Frank Jong a gagné Kosala Nakacha Otomengi Rwanda. Bandeko Nazali Kwebi Sabino. Frank Jong a gagné la bénédiction. Il y a Messe Katoum. Le lobatou Oye Bazali Kobun, ce gouvernement en place. Il y a déstabilisé. Congo, il n'y a que deux personnes sur le plan national. Sans que tout comme on a sur les plans africains. Sur le plan national, nous avons Joseph Kabila et M. Moïse Katumbi. Pour qu'il y ait un complot, il y a un total, il y a un moyen en jeu. Coûte que coûte, il va déstabiliser Tshisekedi. Pour qu'il y ait un peu de temps, l'Alliance Fleuve Congo. Bah, on dit qu'on crée un mot. Quand il départ, il y a Kabila. Malamoko, Alliance Fleuve Congo, ils ont un plaire. Alliance Fleuve Congo, il y a Kabila. Et pendant qu'il n'y a qu'à Kenya. Parce que nous avons allé chaque mouvement politico-militaire. Avant qu'ils aient un plaire, ils ont toujours une bénédiction sur le plan européen et aussi sur le plan africain. Maintenant, sur le plan africain,
Avant de commencer à dossier à Frank Diongo na Katia Rwanda, j'aimerais d'abord vous expliquer le premier point, il y a Kabila, comment est-ce que Akenek a créé le mouvement. Et pour comprendre maintenant, le deuxième point, il y a Katumbi. Oui, bah déjà que tu as commis déjà un état d'alerte. Lorsque tu as créé le mouvement, il y a l'Alliance Fleuve Congo. Et comme Kabila, ça a qui figure. Aboyu Kobima, Kobimisa Elongi, pour que le peuple ait été que non, et Zalaki Kabila n'est pas Zalaki Moukolo Mouma et Alliance Fleuve Congo, à Kamati Kornel n'a comme Zalaki acolyte n'a pas Abimisiye. Et lorsque Abimisi n'a pas accueilli na Katia Otobengi Kenya, et pas William Ruto, va parrainer sur le plan africain. Comme ça était le cas à l'époque avec Laurent Désiré Kabila. Azalaki parrainé par trois pays, le Burundi, le Rwanda et aussi le Burundi, le Rwanda et le Kenya. Tout le bagarre est un pays à grand lac pour battre pour parrainer. Maintenant, le lot, même méthode, oh, et Salama qui n'a 1996, même méthode, oh, Kabila a emprunté. Bah, créer schéma et rébellion, il y a Alliance Fleuve Congo. Parrainé par les Kenyans et les Kenyans parrainés par les États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous, Mokolo Oyo, William Ruto qui est dans la Maison Blanche et bah, qui est dans John Biden. Et ça, qui parrainage direct. Il y a Kenyans dans le mouvement de l'Alliance Fleuve Congo, il y a Nanga. Mais lorsque bah, il y a le mouvement de l'Alliance Fleuve rébellion avec nous. Batiango na Bunaga. Batiango na Otobini Kibumba. Actuellement, sur la terre, va comprendre que Tshisekedi Azali a une armée très forte. Et va aimer déjà que mafia na bango Azali démartelé par Bawazaline. Oyunga na Azali kobenga chaque temps et à tout moment qui Bawaza tata, Bawaza mama, Bawaza chou. Et lorsque bah qui sur terrain ma moine que force Zali makasi balouki maintenant méthode nini mususu oyo biso tokoki ko créer makabro d'Azali comme c'est bino beaucoup on il part. Ça c'est la tête qui fonctionne. Alors Alain Soufflet Congo est tout fait. Manière nini oyo tokui ko sala mouvement mususu. Yako envahir maintenant Congo d'une manière officielle. Même méthode oyo Kabila avait rencontré Yako Kim Congo et même méthode oyo Katumpe Aoutchoukou Kokim. Vous comprenez parce que bango basala na politique moko babani na d'abord guerre sur le plan interne. Et ce qu'on montre sur le plan interne, simité, babimi maintenant sur le plan extérieur. Et sur le plan extérieur, d'abord, maintenant officiellement avec des guerres contre les gouvernements. Maintenant, sur le plan externe, Katumbi des États-Unis d'Amérique en Belgique. Parce que Afani n'a résistance n'a rien à cacher en Belgique. Et Katumbi avec qui qu'on contactait les États-Unis d'Amérique pour que Azala parrainé a créé un mouvement et rébellion. Les États-Unis d'Amérique, babanda qui causé les Katumbi pour que Azala parraine. Parce que chaque mouvement, kaka nenge nazali koyeb sebino, chaque mouvement y a rébellion politico-militaire sans parrainage au Kosala et le côté. Dès lorsque Katumbi a monique na aux États-Unis d'Amérique, bazeli siye. Ne Katumbi aye kokima ake na Belgique pour que Azala otobengi bénédiction y a parrainage. Et lorsque a commis na Belgique, comme Azali n'a pas acolyte na ye, na parti politique na ye ya ensemble pour la République. Et comme Azali n'a pas na ye, oyo Azali ba allié na ye na parti politique na ye. Ye moko abib baboy kobima. Ne akamati Frank Diongo abimisier comme un mouton noir ya ko utiliser ya ki mouvement wana ezo en plein. Parce que le système ya Rwanda na Uganda et le système ya ko utiliser les Congolais fabriqués
et bakamati ba rwandais bakamati ba ougandais ba tiango sima il y a un faux congolais fabriqué pour que ba déstabiliser Congo. Alors mes chers amis, je pense que vous aimez notre émission, vous partagez en vous et vous commentez en vous, et vous encouragez, vous allez vous encourager, vous allez vous encourager pour nous. Alors, actuellement, Djongo Tango a quitté la Katia Rwanda. Mais ces femmes Djongo a rencontré plusieurs diplomates européens. Mais ces femmes Djongo a rencontré M. Paul Kagame. Mais ces femmes Djongo a rencontré le directeur du mouvement M23. Parce que présentement, Azali logé dans l'hôtel Corillo. Hôtel Corillo est un hôtel uniquement pour les officiers rwandais. Mais si ba généraux, ba rwandais, ba colonel ya Rwanda, ba zali ko sala mingi mingi ba réunion, ezali na kacha hôtel Corillo. Sikoyo, pourquoi y est bako? Ba ou tu ko créer mouvement mususu ya rébellion. Moi je vous dis que boko mo na djong, fang djong ote na kacha alliance fleuve Congo. Fwa mjongo wazali na esika azo kende kufanda po na mouvement na bango iso ample. Mouvement wana ba kreye yango, ba ko installe yango na Zambi. Na Zambi bisika oyo wana keda kosoma 10,000 hectares ya mabele. Sur les 10,000 hectares oyo wana keda kosoma na Zambi, il y a déjà des Rwandais bien installés là-bas. Maintenant, ceux qui les lobes vont aller attaquer le côté de la Congo, le gouvernement congolais, le gouvernement zambien va avoir un problème. Entre les gens, pourquoi? Parce que vous avez acquisé le gouvernement zambien que non. L'armée Nabino est allée attaquer le gouvernement congolais. Maintenant, pour que les lobes soient en plein, et le gouvernement n'a pas été en image, et c'est que maintenant va utiliser la figure de Franck Djongo. Et Franck Djongo va utiliser déjà rien que tant que Azali Congolais, Azali qui revendiquait droit na ye na kati ya Congo. C'est pour cela que Azali qui est venu. Rappelez-vous dans maloba ya Katumbi. Katumbi a zolobaki avec langage codé. En disant que Kalamingi te Azali kozonga na Katanga. Après ça, qui message à que le 20 a rejoint na Katanga. Mais pourquoi le 20 wana eliki a zongi na Katanga te? Et ça là qui message à koloba que non na zozo na rébellion na Katanga. Ya ko déstabiliser Katanga. Parce que présentement l'Union européenne bazali coincé. Ba se retrouver na côté ya grand Katanga. Congo a commis la mesure de créer une société, il y a germanium. Tandis que germanium est le minéral le plus recherché au monde par les Européens. Germanium, tozali kokuta yango kaka na 4 pays au monde. Les États-Unis d'Amérique, azala na yango te. France, pe azala pe na yango te. Nous avons celle que la Russie, la Chine, Mongolie et la RDC, celles que les 4 pays qui en possèdent. Mais Germanium wana ezala qui utilisait dans l'époque il y a régime à Katumbi, na ba partenaire na ye autrement ba milliardaire. Ba bande ko exploiter Germanium comme ba sala ko contrôler ba carré minier. Ba exploiter mo ezali ko le clandestinement. Maintenant na régime ya Fatshi a s'imposé na Germanium. Ya que non biso moko ba congolais to ba na ko produire awa. To ba na ko teka ya moka ka awa. Sans que ce soit un étranger abîmé à avoir exploité germanium à qui on a mis ça pour qu'il n'y ait pas. Et c'est dans ce cas, comme Katumbi Azala qui est leader fabriqué par le Rwanda, dans le grand Katanga. Parce que Katumbi Wana Basali Bato Bauta qui n'a rébellion à RCDG. Rwanda, comme sa politique, et ça a toujours infiltration, a créé un leader chaque province à chaque province. Et comme a créé qui Katumbi, grand leader à Grand Katanga, et c'est à travers Katumbi, il y a des abandons pour faciliter
Rwanda a exploité le minerai à Germanium. Maintenant, lorsque tu sais qu'il y a un contrat dans la banque, parce que ça a un contrat qui a tout le monde qui a signé dans Rwanda il y a 50 ans. Et lorsque tu sais qu'il y a un contrat Rwanda, c'est-à-dire les aliments qui ont gagné, il y a Rwanda, les aliments qui ont gagné, il y a autre, il y a un partenaire dans la banque. C'est pour cela. Katumbi a souhaité Nzela, il y a un Kamata Minouki, il y a un Kamata Minouki, maintenant, tu sais qu'il y a un côté à Zali. Rappelez-vous la histoire. Ba Zambien ba kotikala kolinga ba Congolais te boy ba eloko nazali ko yebisa bino. Muze ya moko de son vivant. Mituka elika ki na Zambia pour que ekene na kacha Afrique du Sud et que ne kotika minerai. Mais qui avait donné l'ordre? Ya ke ba kanga mituka ya minerai na kacha Zambia. N'est-ce pas c'était Katumbi? C'est pour vous dire que Katumbi n'a pas congolais. Ba Zambien ba kolinga Katumbi, c'est parce que Katumbi a sali de kona bango. Ndé na sali ko yebisa bino actuellement. Na calcul oyo bango ba sali. Comme côté est. Il y a nord qui veut le sud qui veut ba sali ko kukate. Et ba sali maintenant ko fongola front na côté à Zambie, il y a que Katumbi azala comme leader. Il y a mouvement oyo ba sali ko créer. C'est ainsi actuellement Nazali Koueb Sebino que Nenge Bazali Wana Bakokate parce que le général Edi Kapen a sali déterminé Yepé Aoutou pour convoquer réunion à l'urgence. Bandeko Nazali Koueb Sebino Edi Kapen a sali déterminé. Le général Edi Kapen a convoqué réunion avec tous les officiers à Grand Katanga. Ba colonel ya Konuzi, na ba major, ba colonel ya Kalemi. Parce que Kalemi est allé peu front. Oh, bah, on va zoner un peu là, pas fond, là. Parce que, n'est-ce qu'ils allaient en carte, il est compliqué, bah, on a voté à Kalemi. Pourquoi? Parce que, le président Tshisekedi, avec sa politique, a méga qu'un peu qu'on débauché Tanzanie, n'a qu'à Tchassadek. Parce que, ce qu'on a dit Kalemi, tu as un pays frontalier entre Tanzanie, na Burundi. Maintenant, tous les deux pays, Tanzanie, na Burundi, ils allaient bah, maman, y a Sadek. Et Bazali même moral avec la République démocratique du Congo. Et Bazali n'a tenté, il y a beaucoup de boules dans le Congo, il y a beaucoup de côté à Kalemi, il va déstabiliser Kalemi. C'est pour vous dire que Makamu ya Fang Djongo, Ezali, mouvement politico-militaire, il y a Sika Oyo Bango, Bazali, qui a créé contre le gouvernement congolais. Il y a que Bazali, ça monte à côté à Katanga, Bazali, ça monte à côté à Sud. Avec Katumbi et avec Kabila. Et lorsque vous copiez sa moto, et de l'autre côté, le gouvernement congolais a zangi contrôle. Il a contrôlé, puisque vous maîtrisez la situation. Même les cas, il y a cet imbécile ici, bon, excusez-moi, je n'ai pas insulté. C'est messieurs ici, l'aventurier ici, Laurent Sokoko. Laurent Sokoko, ils ont pu plonger au Tobini Angola. Laurent Sokoko peut d'un côté Angola. Azali peut être pointe. Il y a quoi attaquer côté. Il y a Congo central. Les copains, Azali total. Moi, j'ai toujours demandé au président Tshisekedi. Ce pays ici a été dirigé par les seigneurs des guerres. Les gens qui maîtrisent la constitution et battent haut et bas là qui. Il y a qui ont imposé les Congolais, mais il y a des gens qui ont été libérés tant que les seigneurs de guerre. Katumbi, Moïse Nyarugabo, Kabila, tout ce monde-là, ils ont été seigneurs de guerre. Le pays qui est le Congo, c'est un pays qui mérite plus ou moins 20 millions de militaires. Avec les 20 millions de militaires, nous avons la possibilité et la capacité de protéger le 250 quelques frontières où ils allaient entourer la République démocratique du Congo pour imposer la communauté internationale, pour imposer le Rwanda au respect mutuel de notre pays. Et ça demande toujours la mobilisation de 20 millions de militaires.
Et boye ba eloko moko bande kobala. Rwanda nenge azali wana à comprendre que tu sais que azali morceau de Dieu. Parce que c'est la toute première fois. Au monde Rwanda a créé Bitumba contre la RDC. Tozali ko totaliser déjà 6 ans. Sans que ba gagné ba zo auto bengi Goma. Mbala liboso. Et ça dit trop. Et en plus, ce qui ont le pouvoir au Rwanda, c'est différent du pouvoir au Yakala. Hein? Encore ce qui ont le Congo, il y a le Fachi, c'est différent du Congo au Yakala. Il y a Mouzé et il y a Mobutu. Pourquoi? Parce que Mouzé, na attaque na ya il y a Afdel contre Mobutu. Mobutu a été si fort. L'armée de Mobutu n'était pas infiltrée. Et à cette époque-là, la technologie, c'est là qui développait, c'est là qui évoluait. Il y a un qui, Nathan ou Yamoubutu, Bitumba, c'est là qui est différent que par rapport au régime Afati. Régime Afati, Bitumba, c'est là multiple par rapport à Yatan ou Yamoubutu. Et pourquoi que Fati a été fort? 6 ans, il y a un comme Yamouana, est tombé pété. Et en plus, et Rwanda, Azali n'a pas grande puissance à ma sécurité. La France, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces mondes-là, par combien la technologie à ma casse, voire même le Japon. Le Japon, c'est un membre, il y a G20. Mais G20, c'est un groupe. Il y a Azali au sein, il y a bloc, il y a occidentaux. Regardez tous ces mondes-là, tous ces pays-là. La technologie n'a pas moi. Na fabrication ya armement na bango bazali ko aider Rwanda pour que a déstabiliser Congo pour que a récupérer Goma. Ce qui a récupéré Goma, ba on peut pas osana part des cartons na bango pour bango ba na bénéficier ya que bazo kota bazu minerai sans que ba futa pas que à l'état sans que ba futa ba taxe à l'état. C'est pour vous dire que Tshisekedi a une armée très forte. Malgré il y a une armée très forte et tous ali ko sengi pas tatam ko zamboka. Il y a qui a mobilisé ma jeune et ma jeune est en armée. Tout protéger mon cannabis. Parce que ma ennemi ou un basali koi, ma kaka toujours miné. Souci n'a pas moi, c'est que Congo s'est déstabilisé. Ma position position à koi, ma minerai à Congo. Qui c'est que dit n'est ou non? Azo vivre parce que, un, il est politicien et il est aimé par Dieu. Tshisekedi a comprendre la stratégie à occidentaux. Durant la règne, il y a Mobutu. Dans la règne, il y a Mouzé. À comprendre comment est-ce que Mobutu avait chuté. À comprendre comment est-ce que Laurent Désiré a été assassiné. Et c'est là, et c'est ça qui Tshisekedi Maïl. Premièrement, dans la chute, il y a Otobengi Mobutu. Mobutu rébellion, et ça qui composait. Dans 5 pays, dans 7 pays, tu as qui dans Angola, Tanzanie, l'Afrique du Sud, Kenya, Rwanda, Ouganda, ok? Dans le Soudan. Maintenant, nous avons créé une guerre contre Mobutu parce que c'est parce que c'est parce que Bazalaki est né dans le Kaibele. Maintenant, tu sais qu'il y a appliqué une stratégie à Tali. Parmi tous ces pays-là où il y a une rébellion, pourquoi c'est Mobutu? Parce que Mobutu est si fort. Et il y a une force extérieure qui est le Kaibele. Pourquoi c'est Mobutu? Mais moi, tu sais qu'il y a la débauchage à Beni Burundi. Tant à Beni Burundi, il y a un côté est. Et puis, il y a une déstabilisation entre les Rwanda et l'Ouganda. Après, d'un côté, il y a l'Afrique de l'Est, les sources, il y a la Tanzanie. Parce que Tanzanie, ce n'est pas n'importe quel pays. Parmi les gens qui ont la rébellion, parmi les gens qui ont s'imposé dans la carte armée. Et lorsque vous avez la patience, Saïb, il y a Ogefrem, bon, il y a des gens qui ont fait la militaire tanzanien, ils n'ont pas battu. Ils n'ont pas rapport à l'accord, ils ont fait la signature de la banque. Ata Angola, oh, que vous voyez, c'est le premier pays déstabilisateur du Congo. Le Rwanda n'a rien.
Le Rwanda, là, c'est un petit pays. Le premier pays, il y a déstabilisation, il y a Congo, c'est l'Angola. Il y a un moment où Tshisekedi a joué carte, il y a Sadek. Mais carte, il y a Sadek, la plupart, il y a un pays où Bazali, il y a Sadek. Bazali n'a pas position pour attaquer Congo. C'est parce que Bazali n'a pas une relation commune. Oh, ils allaient corriger, bah on a autre ligne Sadek. Alors, Nazali quoi, c'est maintenant actuellement Bani Koubala. Sur le plan politique, comme stratégie européenne, comme stratégie, il y a M. Paul Kagame. Bah comprendre déjà que Bitumba, oh, bah on Bazali commune na Congo. Bazali complété par rapport à la montée en puissance de notre armée. Et sur le plan politique, il n'y a pas personne, il n'y a pas un opposant qui peut faire face à Tshisekedi. Maintenant, la seule carte, Oyo Bango Bakoki qu'on applique comme carte na Bango Yasuka na Congo, est sur le plan institutionnel. C'est-à-dire, lorsque je vous parle sur le plan institutionnel, et ça, les plans, ils sont bien établis par le peuple congolais et par l'État congolais. Maintenant, sur le plan institutionnel, mais qui est un peu déstabilisé le gouvernement et ça n'a pas tenu, il y a qui va créer une crise gouvernementale. Lorsque la crise est salée, il y a une occasion, il y a un gouvernement d'une manière, il y a un dialogue national. Mais quand vous tentez ma cam, il y a un enseignant parce qu'ils allaient qui bombe. Ma cam, il y a un enseignant, il y a une grève, il y a un médecin, il y a un enseignant, et ils allaient qui bombe, il y a un sécurité. Et ils allaient qui cabane, il y a un salaire qui a que non. Marche et bande à départ et autres, va déstabiliser le gouvernement congolais et malamment va profiter de moyen pour ça la crise. Il y a un dialogue qui est salé. Et lorsque tu recoupes dans ma cam, il y a un dialogue, 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 il y a un gouvernement. Maintenant, la carte là a été déjouée par le président Tshisekedi. Maintenant, d'autres cartes, Oyo aussi, il y a un son qui est parlement. C'est M. Vital Kamerhe. C'est là où Nazari Kouéb, c'est bien que la révélation de Sous Awa et Bimi pour M. Vital Kamerhe, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, avant de continuer, on a posé à Bajem Nabino, à commenter Nabino. Et vous partagez les bisous, émission les bisous, et Zali pour ça les bisous, et c'est mon ming. Parce que les bisous, tous les gens qui ont payé ça pour un éveil patriotique. Tous les gens qui ont éveillé conscience à la Congolais, et tous les gens qui ont éveillé la Congolais, oh, yo, Zali pour l'an des bisous partout. Aux Anna Kassombalessa, aux Anna Kolozi, aux Anna Madimba, aux Anna Minyembo, partout. Tous les gens qui ont éveillé conscience à la Congolais. Dernière carte, oh, Kamerhe Azali Nayango, Azali carte maintenant, comment contrôler la majorité parlementaire pour déjouer la carte et accomplir la mission des Occidentaux. Révélation Ebimi, sur 500 députés reconnus par la CENI et notifiés par la Cour constitutionnelle. On s'est retrouvé dans 513 députés à l'Assemblée nationale. Un défaut. Mais c'est ce que Kamerhe a créé dynamique Vital Kamerhe au sein de la majorité de l'Union sacrée. Dynamique Kamerhe a créé et ça qui sous forme de contrôler aussi la majorité des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Pourquoi majorité? Parce que je vous dis, il y a des députés qui sont à l'Assemblée nationale, Bazali Koufoutabou. Triple. Bamoussou Bazali Koufoutabango et pas le gouvernement congolais. Et Bamoussou Bazali, dans la dynamique, il y a Kamerhe Bazali Koufoutabango trois fois. Mais avec quel objectif? Il y a qui va protéger Kamerhe. Va protéger quelques lois. Parce que chaque loi, avant qu'ils aient la voter, ça doit passer dans l'Assemblée nationale dans la plénière. Maintenant, les Occidentaux vont comprendre. Quand ils allaient, ils allaient à la carte, ils appuyaient Kamerhe. Aussi, l'Assemblée nationale, pour que ma Kamerhe ait un référendum, ma Kamerhe ait un référendum, et ça, ils vont changer de précaution et répéter. Il y a un moment où il y a un calcul excédent à 13 députés. Il y a un moment où il y a un allié, il y a un allié,
Naba quelques députés au Bazaï au sein de l'Assemblée nationale, ce qu'a baissé la 13 Naïwana, par cause à la tête, comme on a 253 ou bien 255. Parce que Makam Oyo est allié majoritaire. Avoir une majorité au sein de l'Assemblée nationale, il faut avoir plus ou moins 251 députés. Ça, c'est la carte. Oyo a bango basalaki. Maintenant, les policiers, basalaki vigilant. Bamoni un jeune type. Azali kokota na kati Assemblée nationale, azali ko CG. Jeune wana yemoko député national, yemoko sénateur, yemoko député Assemblée nationale. Mais c'est Israël Mbongo. Israël Mbongo, et lorsque ba eko tala na cour constitutionnelle. Kombo ya jeune wana ezalaka te, mais a CG ali Mbongo pendant 2 ans et 1 année et demie. Et ba eko landela. Ba eko kangaye wapi na Beatrice Hotel. Lorsque ma député Bafani, j'ai vu même des images, lui avec Kodem Poy, au sein de l'Assemblée nationale. Afani na Kodem Poy comme collègue naé député national. Et lorsque Badie m'a beaucoup pas ma policier, j'ai non la manu qui criait, Tozali ebele, Tozali ebele. J'ai des images, la routine de la bino. Azali kobele, Tozali ebele, Nazali nga mokote. Bon, tu kanga na zo sans la vérité. Mais vérité, oh, je n'ai pas dit sans ça, c'est vérité à Nani. Nana yoto yébite. Botal. Oh, tout le bela peuple, tout le peuple. Mais peuple, en gros, il y a un et à Kabal, mon commenté contre les présidents Tshisekedi, tu sais comment contourner la majorité parlementaire. Alors, Bandeko. Je pense qu'il y a que les animés, l'obé tokoué maintenant la verso sur le 13 députés au Yobakang et sur les 13 députés, Moko Baouch Koukana, les 12 là, Bazawa et Babatami Nanda Kuyanani. Et Bana Bazali pour protéger les 12 députés qui restent là au Bazali, les députés fictifs à l'Assemblée nationale. Je dis et je remercie. Plus 243, 89, 335, 82, 51. Tout en abîmant, embarrassement. Bye.